Ah, tu as les légumes. Oui, j'ai les légumes. Ok, ça, tu peux me donner ça quand? Ah, ça dépend de toi. Si tu as besoin de ça, même ce soir ou alors demain, ça dépend. Bonjour et bienvenue dans ce 8e épisode de la toute première télé-réalité agricole au monde. C'est la saison 1 et comme je l'ai dit précédemment, nous sommes au 8e épisode. Donc par conséquent, il y a déjà 7 épisodes qui précèdent celui-ci que je vous invite à aller regarder, n'est-ce pas, sur la chaîne. Question de mieux comprendre ce que nous faisons ici. Nous avons décidé pour cette première saison de montrer, n'est-ce pas, aux jeunes élèves, aux jeunes étudiants, aux chômeurs, n'est-ce pas, comment est-ce qu'ils peuvent se faire un peu d'argent, et ceci rapidement, avec la culture des légumes, communément appelée morel noir, zoom, nzap, nzapche, et j'en passe. Alors dans ce 8e épisode, nous allons parler, n'est-ce pas, de la commercialisation, la vente des légumes, comment faire pour écouler sa production et engranger le maximum de bénéfices possible. Parce que si vous ne connaissez pas aussi les bons canaux, certes vous allez vendre, mais vous n'aurez pas le maximum de bénéfices. Ok? Donc, dans cet épisode, nous allons vous montrer, n'est-ce pas, toutes les astuces qui vont vous permettre de vendre vos légumes, qui vont vous permettre d'avoir le maximum de bénéfices possible. Car si vous finissez de produire comme on a fait là et vous n'arrivez pas à vendre, ce serait vraiment un véritable gâchis dans la mesure où vous y avez mis du temps, vous avez dépensé de l'argent pour acheter les fientes, pour acheter de l'engrais, votre main d'œuvre, l'eau pour arroser, et j'en passe. Vous voyez que c'est un manque à gagner terrible si vous ne parvenez pas à vendre. Mais rassurez-vous, la vente des légumes ou alors de la morelle noire est très simple et très facile. Alors déjà, avant d'entrer vraiment dans le vif du sujet, est-ce que vous remarquez quelque chose? Est-ce que vous remarquez un changement? Vous regardez derrière moi, vous n'observez rien ou pas de changement? Alors regardez cette zone. Cette zone-ci a été défrichée. Et comme je vous le disais souvent dans les épisodes précédents, n'est-ce pas? Sur cette zone, c'était réalisé il y a de cela quelques mois, une formation intégrale et 100% pratique sur la culture de la tomate. Formation qui est d'ailleurs disponible en vidéo au prix de 25 000 francs sans accompagnement et 50 000 francs avec un accompagnement sur un an. Donc, tous ceux qui veulent connaître également les secrets de la culture de tomate, n'est-ce pas, vous pouvez acquérir cette formation-là en nous contactant au numéro qui s'affiche juste là. Alors, donc ici, là, vous voyez, là, ce sont les différents tuteurs, n'est-ce pas, qui servaient à soutenir la tomate. Donc, voilà, on a mis ça à nu. Et pourquoi est-ce qu'on a mis ça à nu? On a mis ça à nu simplement parce que cette broussaille, cette petite broussaille qui était ici, n'est-ce pas, cachait nos légumes. OK? Parce que là, vous voyez, de ce côté-là, on a la route juste là en haut. Et puis, il y a les gens qui passent. Alors, maintenant, vu qu'on a défriché, lorsque les gens passent, ils ont un visuel sur nos légumes. Et je peux vous assurer que le simple fait qu'on ait eu à défricher ici, nous a déjà ramené 2 clientes. Parce que le fait que les gens passent, les gens demandent que voilà, est-ce que vous vendez les légumes? On a 2 personnes qui sont venues, n'est-ce pas, confirmer leur commande, que lorsque les légumes seront prêts, il suffit juste qu'on leur fasse signe pour qu'elles passent leur commande. Donc on a 2 clients, c'est juste parce qu'on a défriché ici, juste parce qu'on a rendu nos légumes visibles. Bon, après, si vous avez une parcelle qui n'est pas proche de la route, c'est pas grave. Si vous avez une parcelle que les gens ne peuvent pas voir en passant au bord de la route, c'est pas un problème. On va vous montrer, n'est-ce pas, les différentes astuces, les différentes techniques qui vont vous permettre d'écouler, n'est-ce pas, vos légumes le plus rapidement possible et d'engranger le maximum de bénéfices possible. Alors, première astuce pour pouvoir vendre ces légumes le plus rapidement possible et engranger le plus de bénéfices possible. Si vous êtes élève, si vous êtes étudiant et surtout si vous vivez dans la même ville que vos parents, vous savez, en Afrique, tous nos parents sont dans ce qu'on appelle les réunions, ok? Peu importe l'ethnie Bamileke, parce qu'on a souvent l'impression que les rayons c'est juste pour les Bamileke. Peu importe l'ethnie Bamileke, Eton, Bassa, tout ça. Ok? Les parents, la plupart, sont dans des réunions. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez vous rapprocher de vos parents et vous allez leur demander les contacts, n'est-ce pas, de leurs collègues ou alors de leurs amis des réunions. Principalement les femmes. Ok? Vous savez que c'est la femme qui gère la cuisine, qui gère le foyer en Afrique. Donc, vous cherchez les contacts, principalement des femmes. Et puis, vous appelez, vous leur proposez les légumes. Vous appelez, vous vous présentez, je suis le fils de tel, patati, patata, j'ai fait des légumes. OK? Donc, on va faire un exemple. Je vais appeler, n'est-ce pas? Une femme, n'est-ce pas, qui est collègue avec un des parents dans une réunion. Et puis, on va voir un peu ce que ça donne, OK? Espérons qu'elle va décrocher le téléphone. Voilà, ça sonne.
Allô? 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 Oui, allô? Bonjour, maman. Bonjour. Oui, c'est Christian, le fils de Père Nazareth. Ah oui, bonjour. Comment tu vas? Ça va bien. Ah oui. Bon, je voulais juste te dire que j'ai fait des légumes là, et des légumes bio à base de fientes de poule. Donc, c'est déjà prêt. Je ne sais pas si jamais tu pourrais être intéressé. Ah, tu as les légumes? Oui, j'ai les légumes. Ok. Ça, tu peux me donner ça quand? Ah, ça dépend de toi. Si tu as besoin de ça, même ce soir ou alors demain, ça dépend. Demain, c'est possible demain? Oui, c'est possible demain. À quelle heure? Le matin. Ah, le matin, très tôt, non? Le matin, très tôt. Ok, d'accord, il n'y a pas de souci alors. Et je t'apporte okay, combien? Pour 2000. Pour 2000, ok, d'accord. On fait comme ça alors. Ok, merci beaucoup. Ok, bonne soirée. Bonne soirée, papa. Vous avez vu, les gars? Voilà 2000 qui viennent de tomber. 2000, Njo. Vous voyez que c'est simple, non? Vous faites comme ça, là, 10. Vous avez combien les commandes de 2000? Ça fait 20 000 qui tombent. Propre. Et vous voyez là mon speech? Si vous n'êtes pas très... Je l'ai dit quoi? Si vous n'êtes pas très à l'aise avec les inconnus à parler aux gens, vous pouvez rédiger votre speech de bande. Ok? Donc, c'est déjà, j'appelle tel, je dis bonsoir, bonjour. Après avoir dit bonjour, bonsoir, qu'est-ce que je dis? Vous écrivez tout sur un papier de façon à ce que ce soit comme une récitation avec les mots-clés. Vous voyez, j'ai parlé, j'ai dit que... Bon, j'ai fait une erreur parce que j'ai dit que les légumes sont bio. Je voulais plutôt dire que les légumes ont été cultivés avec les fientes de poule. Là, je suis pas en train de mentir. Par contre, quand vous dites que les légumes sont bio, vous êtes en train de mentir dans la mesure où on a apporté de l'engrais chimique ici. Ok? Donc, vous dites que vous avez fait les légumes. Là, mais j'ai les bons légumes là qu'on a cultivés avec les fientes de poule. On a cultivé ici, on a mis les fientes de poule ici, non? On a mis des fientes de poule. Donc, vous n'êtes pas là, à ce moment-là, vous n'êtes pas en train de mentir. Maintenant, si la personne vous demande, est-ce que vos légumes sont bio? Et que vous dites oui, là, vous serez en train de mentir. Donc, vous pouvez jouer sur les mots comme ça. Voilà, j'ai fait les fientes, j'ai fait les légumes là avec les fientes de poule. Vous voyez, vous jouez un peu sur ça comme ça. La personne dans sa tête va croire, que, va comprendre que non, les légumes sont bio. Et pourtant, ce n'est pas le cas. Alors, on va faire un deuxième test, ok? On va faire un deuxième test et vous allez voir que la vente est très simple, les gars, très facile. Je vais appeler un deuxième numéro que j'ai toujours récupéré auprès des parents, vous voyez? Et quand vous sélectionnez les numéros, ne sélectionnez pas les numéros qui sont des personnes qui sont éloignées, tellement éloignées de vous, ok? Au trop, la personne... Donc, vous pouvez prendre des numéros. Si la personne est trop loin, en fait, déjà, vous dépensez maximum 100 francs. Ok, 100 francs, vous prenez une moto pour aller lui livrer et 100 francs, vous rentrez chez vous, ça fait 200. Mais ne cherchez pas les numéros des gens pour lesquels, pour aller leur livrer les légumes, vous allez devoir dépenser 1 francs 500. Mon frère, tu dépenses 1 francs 500 pour aller livrer les légumes de 1 500. Ça n'a pas de sens, vous voyez. Alors là, on va essayer. Donc je vais appeler cet autre numéro-ci là et vous allez voir, ok. Please be patient. We are trying to reach your correspondent. Max est faite avec des voyages à Abidjan, des Smart TV, des voitures et des multimillionnaires au 1011 citoyens indiens. Votre appel va être renvoyé vers... Bon, malheureusement, il ne décroche pas. On va réessayer une deuxième fois, ok? Please be patient. We are trying to reach you. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie vocale. Your call has been forwarded. Bon, quand ça ne sonne pas comme ça, ça veut dire que c'est le réseau. Le réseau dérange. Il faut réessayer. Ça doit sonner. Please be patient. We are trying to reach you. Votre appel va être renvoyé vers la messagerie. Malheureusement, ça ne donne pas. On va chercher un autre contact. Alors, ce contact-ci que je vais appeler tout à l'heure, ce n'est pas un numéro. Attendez. Non, ce n'est pas elle. J'ai cru que c'était la femme là qui rappelait. Alors, donc, je disais que ce contact-ci que je vais appeler, c'est une ancienne amie. Et c'est une bamoise. Alors, là, je profite pour faire une parenthèse. Les Mbamois sont des gens, les Mbamois sont des gens qui sont très friands de légumes ou alors de morel noir. Ok? Vous voyez, dans la culture, ils ont ce qu'on appelle, ils ont un plat qu'on appelle le kepen avec le bitoso. Parce que chez les Mbamois, ces légumes-ci, on les appelle le bitoso. Ok?
Donc le Kepen avec le Bitoso. Ils sont très friands de ça. Donc, si vous avez un Bamois dans votre entourage, sachez qu'à 98%, vous avez 98% de chances qu'ils vous prennent des légumes. Donc ce contact que je vais appeler là, c'est une Bamoise. Et on va voir ce qu'elle dit, si elle en a besoin. Mais je suis sûr qu'elle en a besoin. Si elle n'en a pas besoin, maintenant, elle va, vous allez voir qu'elle va programmer dans une semaine ou deux. Avec des voyages à Abidjan, des voitures et des... Allô? Allô? Yeah, ça dit quoi la malle? Ah, je suis là et toi? Ah, ça va, et le bébé? Le bébé va bien, je vais bien. Ah, ok, ok, super. Et le voir bébé, c'est pour quand? Est-ce que c'est moi qui programme? C'est vous qui programmez là? Mais c'est toi qui dois nous dire que voilà, c'est le moment de programmer le voir bébé. Parce que tu sais que quand une femme accouche, il y a souvent tout un tas de trucs là. L'enfant, elle doit d'abord aller rester chez la mère, après elle doit aller rester chez la grand-mère, autant de choses. C'est ça, non, je suis à Progeron, là où tu connais là. Ah, donc chez vous, c'est pas comme ça. Tu dis? Je dis que chez vous, alors dans votre culture, c'est pas comme ça. Non, ce n'est pas ça. Chez moi, on a fait le toqué de poste, on n'a pas encore douté. Donc, je vais partir chez mon mari. Ok, ok, d'accord, d'accord. Donc, on va bientôt la dose que. Et on va se marier officiellement, alors que je pourrais aller vivre là-bas. Ah, ok, d'accord, d'accord, d'accord. Bon, en tout cas, moi, je voulais juste te dire que les légumes sont à nouveau disponibles, si jamais tu en as encore besoin. Oui, oui, j'ai compris le fait. Ok. Et donc, quoi, ça, le paquet, alors? Non, le paquet, c'est plus 3 ça. Le paquet, c'est maintenant 250. C'est combien? Le paquet, c'est maintenant 250 et ça a un peu diminué quand même. Tu vois, comme, comme c'est la saison sèche et tout, c'est pas évident d'arroser. D'avoir les légumes. Oui, 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 c'est pas évident. Tu vas dire à la matinée, tu vois un peu. Oui. Là, je vais revenir. Pour la quantité qu'on va prendre. Ok. Parce que ce qu'on a pris là, c'est maintenant qu'on va faire à manger ça. C'est que vous avez pris depuis là. Une bonne quantité au congélateur, donc. Je vais vous dire, on va manger la fin. Ce que j'avais livré depuis là, c'est maintenant que vous commencez à manger ça. Oui. Mince. Moi, je vais faire l'autre jour pour qu'on mange avec le cuit. Wow. Ok, ok, d'accord, il n'y a pas de souci. C'est bien fait, parce que ce sont de bons légumes. Ok, ok. C'est bon. Ok, ok, d'accord, j'attends seulement l'autre ton appel. Oui, oui. Ok. Je vais te faire aussi. Plus tard, viens demain. Ok, d'accord. Bon, tu passes avec une bonne soirée, non? Merci, on le fait bien à toi. Ok, merci. Vous voyez? Les gars, la vente SM. La vente SM. La vente SM. Donc, voilà. Je pense qu'on va s'arrêter là. Hein. On ne va pas appeler. Je ne vais pas appeler tout mon répertoire devant vous. Donc, on va s'arrêter là. Vous voyez que là, j'ai déjà deux commandes, on peut dire. Bon, on peut avoir 4 commandes avec les deux femmes qui ont eu à commander juste parce qu'elles ont vu, en passant en route, elles ont vu les légumes, comment c'est beau, c'est bien vert. Tout ça, c'est le marketing, les amis. C'est ça qu'on appelle le marketing, ok? L'ensemble des actions que vous posez qui conduisent à la vente. C'est ça le marketing, ok? Donc là, on va s'arrêter là pour la première astuce. Je vais donc partager avec vous la deuxième astuce pour vendre facilement vos légumes. La deuxième astuce, ce que vous allez faire, c'est que vous allez imprimer des affiches. Ok, vous voyez, voilà mon affiche que moi j'ai imprimée. Je l'ai faite moi-même, je n'ai pas eu besoin des services d'un graphiste. Ok, je l'ai faite moi-même. Donc, ça c'est aussi l'une des choses qu'il faut comprendre, c'est que vous devez être polyvalent. Ok, vous devez être polyvalent. Ce montage-là, photo-là, moi je l'ai fait avec mon téléphone. Ok, donc votre téléphone ne doit pas juste vous servir à WhatsApper, aller sur Facebook, aller sur www, Big Black Cock, ok? On se comprend, non, les gars? Voilà, donc votre téléphone doit vous être utile pour faire des choses utiles, pour vous permettre de gagner de l'argent. Donc, il y a des applications, ok? Vous partez juste sur montage photo. Vous faites un montage photo simple. Vous allez dans une imprimerie et vous imprimez cela. Vous plastifiez. Bon, vous n'êtes pas obligé de plastifier, parce que la plastification, ça coûte encore cher. Vous pouvez juste mettre dans... Vous voyez, il y a souvent des trucs, les classeurs sont souvent des trucs dans lesquels on classe les formats. Là, vous prenez juste ça, vous mettez votre affiche à l'intérieur, vous pliez, vous collez, ok? Et là, vous partez dans les différentes boutiques de votre quartier. Bien sûr, vous causez d'abord, vous demandez d'abord l'avis du gérant de la boutique. Voilà, j'ai mon affiche ici. Qui parle des légumes, j'aimerais coller ça à l'entrée de votre boutique si ça ne vous dérange pas. Bien sûr, à 100% des cas, il va dire oui. Donc, vous collez dans toutes les boutiques, n'est-ce pas,
de votre quartier. Et là, vous allez voir que les gens vont vous appeler. Voilà, j'ai vu une affiche quelque part là qui dit que vous vendez les légumes. Est-ce que je peux en avoir? Aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de vous tordre en 4, en 1000. Simplement comme ça, vous allez voir, vous allez faire des ventes. Vous allez faire des ventes. Ok, donc moi, c'est mon affiche là que j'ai eu à faire et j'ai déjà eu à couler. Donc, je n'ai pas encore eu d'appel jusqu'à ce jour. Mais ce qui est sûr, ça viendra. Ce qui est sûr, ça viendra. Donc, voilà pour ce qui est de la deuxième astuce pour pouvoir vendre efficacement et rapidement ses légumes. Alors, la troisième astuce que je vais partager avec vous ici, là, pour pouvoir vendre rapidement vos légumes et de façon à engranger la plus grande quantité de bénéfices possible, c'est le porte-à-porte. Mais avant de vous expliquer comment la technique du porte-à-porte fonctionne, j'aimerais vous rappeler que nous avons tout récemment mis sur pied une entreprise dénommée MBAP, entreprise qui fait de la production et de la distribution de la viande de poulet dans la ville de Yaoundé. Mais par la suite, nous nous étendrons dans les villes telles que Yaoundé, Bafoussam et bien d'autres. Donc si jamais vous avez une cérémonie, une fête ou alors je ne sais pas trop quoi et que vous avez besoin de poulet frais, bio et surtout 100% halal, veuillez donc contacter le numéro qui s'affiche juste là. Question que nous vous livrons votre poulet dans les plus brefs délais. Et je rappelle d'ailleurs que c'est cette entreprise MBAP, n'est-ce pas, qui sponsorise entièrement et totalement la télé-réalité que nous sommes en train de faire ici. Okay? Parce que vous vous dites bien que ça génère des coûts pour mettre tout ceci en place. Okay? Donc, tout ceci est pris en charge par l'entreprise. Alors, la technique du porte-à-porte, comment est-ce que ça fonctionne? Ce que vous allez faire, c'est que vous allez récolter un paquet de légumes. Okay? Donc, déjà, avant de vendre vos légumes, notamment, vous allez faire une petite étude de marché. L'étude de marché ici consiste juste à aller dans les différents points de vente des légumes de votre localité. Question de voir comment est-ce que les autres vendeurs forment les paquets. Question de voir à combien est-ce qu'ils vendent leurs paquets. Okay? Donc, lorsque vous aurez fait cela, vous allez venir dans votre exploitation et puis vous allez couper un paquet. Okay? Vous allez couper un paquet que vous allez vous balader de maison en maison dans votre quartier. Hein? Vous allez là. Et il faut toujours être très poli. Bonjour maman, bonjour papa. Si c'est un monsieur que vous trouvez. Il faut toujours dire papa, ne dise pas le père et la mère. Papa, bonjour, papa, parce que ça sont les mots qui flattent l'ego. Oui, non. Les gens, en Afrique, les gens aiment bien ça. Quand vous les appelez papa, maman, ce sont des termes qui flattent l'ego. Donc, vous allez là, bonjour, maman, bonjour, papa, je suis l'enfant de tel au quartier, patati patata, j'ai fait des légumes là, voici comment je forme les paquets, ça coûte telle somme. Est-ce que dans la semaine ou alors est-ce que vous en aurez besoin plus tard? Je vous assure, les gars, sur 10 maisons que vous allez prospecter, vous aurez des commandes sur 8 maisons. Ça, c'est une technique infaillible. Si vous tombez sur les enfants, ce sera différent. Mais si vous tombez sur les parents à chaque fois, sur les parents, je vous assure, sur 10 maisons, vous en aurez 8. Ça, c'est la technique du porte-à-porte. C'est une technique qui marche à 100%, les gars. À 100%. Bon, maintenant, après, il y a certains qui ont honte. Moi, j'aime toujours dire que lorsqu'on est pauvre, on n'a pas honte de chercher son argent. Donc, vous devez affronter votre peur, vous devez affronter votre honte. Et allez, maison en maison, vous toquez. Donc, voilà pour ce qui est donc de la troisième technique, n'est-ce pas, pour pouvoir vendre rapidement vos légumes. La quatrième astuce donc, que je vais partager avec vous ici, ça sera, je vais appeler ça comment? Je ne sais pas si je vais dire le commerce à la sauvette. Bref. Ce que vous allez faire, c'est que vous, le samedi, ok? Le samedi, vous savez, le samedi, très souvent, les gens font le sport dans certains endroits. Dans toutes les villes, il y a toujours un endroit où les gens font le sport, ok? Donc, le samedi matin, très tôt, vous allez récolter une certaine quantité de légumes. Ça peut être pour 5 000, ça peut être pour 3 000, ça va dépendre de vous. Que vous allez transporter vers ces points-là et proposer aux gens qui font le sport dans ces zones-là. Ça aussi, c'est une technique qui marche à coup sûr. Mais moi, j'aime pas trop dans la mesure où c'est un peu, pour moi, c'est un peu comme du père t'envoyé parce que tu coupes les légumes, tu prends la moto, tu pars, tu te places, tu t'assois, tu attends et tout ça. Donc, moi, j'aime pas trop personnellement cette technique-là. Elle ne me plaît pas trop. Maintenant, la cinquième astuce pour pouvoir vendre vos légumes. Si vous n'avez pas voulu essayer toutes les premières, cette astuce-là, je peux dire que c'est une astuce pour les paresseux. Parce que là, cette astuce, ça consiste à aller voir les revendeuses. Okay? Là, vous partez voir les revendeuses et vous leur proposez vos légumes. Mais maintenant, il faut savoir que le paquet qu'un particulier va vous acheter à 300 francs, n'est-ce pas?
Une revendeuse va vous prendre ce même paquet à 150 francs. 175, tout au plus. 200, si elle vous a aimé. Donc, c'est un peu ça le hic. Donc, vous voyez que votre bénéfice est divisé complètement par deux. Pourtant, si vous aviez fonctionné avec les particuliers, chose qui n'est d'ailleurs pas très difficile, on a expliqué. On vous a montré de façon pratique comment est-ce que vous pouvez faire pour fonctionner uniquement avec les particuliers. Donc, si vous voyez que c'est trop dur, et maintenant aussi, bon, je peux dire que l'avantage de faire comme ça avec les Bayam Salam, il n'y a pas d'avantage. Il n'y a pas d'avantage, les gars. C'est une astuce de passer. Si, donc, ceux qui vous donnent fait usage de cette astuce-là, tant mieux. Et en bonus, je pourrais encore partager quoi avec vous. Voilà, vous voyez, dans les marchés, il y a soit les femmes qui font la cuisine. Voilà encore des gens qui peuvent vous prendre des légumes en grande quantité. Donc, ce que vous faites, c'est que vous allez dans le marché le plus proche de votre localité et vous prospectez les femmes qui préparent et vendent de la nourriture dans ces points-là. Très souvent, il y a des femmes qui font des légumes. Donc, vous partez avec toujours un échantillon parce qu'il y a toujours question aussi que la personne ait un visuel sur ce qu'il achète. Okay? Donc, ne partez pas juste comme ça que voilà, j'ai les légumes en champ et tout ça. La personne va vous dire que vous faites vos paquets comment. Or, si vous aviez déjà un échantillon en main, vous pourriez lui montrer que voilà les légumes, voilà comment je fais les paquets, voilà combien ça coûte. Et puis là, vous arrangez le prix. Et donc, ces genre de femmes qui font des repas et vendent dans les marchés sont des gens également qui peuvent vous prendre les légumes en grande quantité. Donc, voilà un peu pour ce qu'on pouvait dire au niveau de la commercialisation des légumes. Ok, j'espère que les différentes astuces vous ont édifié. Et avant de terminer ce 8e épisode de la toute première saison de la télé-réalité agricole, j'aimerais vous rappeler que nous avions mis sur pied un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Groupe WhatsApp dans lequel nous répondons aux questions et aux préoccupations des uns et des autres. Okay? Donc, si vous avez une question, vous avez rencontré un problème sur le terrain, il vous suffit juste de poser votre question dans le groupe. Dans le groupe, vous retrouverez cet ingénieur agronome, n'est-ce pas, exerçant chacun dans des domaines différents. Ça veut dire qu'on a un ingénieur pour la pisciculture, on a un ingénieur pour l'élevage des porcs, un pour l'élevage des poulets. Donc, l'adhésion au groupe est entièrement et totalement gratuite. Il suffit de nous écrire au numéro qui s'affiche juste là et nous vous ferons intégrer le groupe. Donc, je vous donne donc rendez-vous pour l'épisode 9 dans lequel nous allons faire la récolte et je vous montrerai comment faire les paquets, comment attacher les paquets et tout le tralala. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille.